Elle est dure cette partie, je vous annonce, hein. Très très dure. Sur BP. En tout cas, si vous avez des idées de vidéos ou des vidéos, ou alors des choses pendant que je joue, etc., qui vous intéresseraient, que je vous explique, pardon, je sais pas, faire peut-être des petites explications quand je joue, bon, c'est vrai que c'est pas forcément évident. N'hésitez pas à poser, enfin, à donner vos idées. Parce que je suis en train de regarder, ou pareil, faire, s'il y a des choses qui pourraient vous intéresser dans CSGO, que vous souhaiteriez voir, je sais pas forcément des mix ou des trucs comme ça, mais. Autre chose, je sais pas, des analyses de stratégie, etc. N'hésitez pas. I tell you, we kill them all! Ça va être dur par là. I need backup. Activating the bomb. Bomb has been planted. Bomb has been. Sur train en terreau, après il faut avoir du TP. Beaucoup de TP, comme on dit. Mais je suis un peu au fond du trou là parce que j'ai plus d'argent. J'ai acheté trop tôt. Oh, un mec sympa qui m'a droppé une arme là. Très très sympa, Kosti. Et donc, du coup. Moi j'ai l'habitude de prendre l'inter en fait en terreau. C'est plus ma spécialité on va dire. Bah, je droppe la bombe. Faire attention toujours à ici, en face. Toujours il y a un peu de monde. Là c'est une décoy donc il n'y a pas grand chose à faire. Juste vérifier que le stuff.
Ouais, c'est le même. J'ai smoké là juste pour faire chier le mec qui est en face. Attention, mec, sur le train. On est chatté. Y'a un mec là-haut, long up, voilà, qui fait bien chier le monde d'ailleurs. Donc long up, va falloir aller le chercher parce que ça va être très dur sinon pour passer. J'ai eu beaucoup de chance en étant inter, que le mec à backup Z il m'a pas eu. Thank you dude. Et donc du coup bah, j'ai pu faire n'importe quoi, rentrer dans le jeu et tuer les mecs, mais sinon c'était pas gagné d'avance. Hein. Mission commence à jouer là. Là quand il y a un mec long up comme ça sert à rien d'aller chercher. Voilà, attendre qu'il qu se fasse. La petite smoke toujours là en face, c'est super important. Le petit stuff dans le Z. Deuxième qui va avec. Reste sur le train. L'avantage qu'on a sur CSGO c'est qu'on voit bien derrière les trains. Donc il n'y a pas de mecs qui sont planqués comme des. Position qui peut être sympa c'est ici. Toujours faire attention à là mais sinon on est bien quand on est là. Pour le backup on peut être tranquille. Tuer les CT qui passent de dos. Là par contre il y a un CT qui est derrière. Se positionner pour les chiens. Ça ira. Bon je vais garder la WAP juste pour être un peu nul. Sinon, au sniper, l'inter c'est sympa à décaler, mais toujours par la long down, pas par la long up, là, pas comme mon pote il a fait, c'est vraiment très difficile d'aller chercher la WAP qui est en face quand il joue bien. Là on peut très bien faire attention au départ, voir s'il n'y a pas un CT qui va approcher. Cette petite ligne là, ça permet de voir, surtout il y en a un là, il va peut-être décaler. Voilà. Toujours là prendre large quand il met une flash, simplement parce que quand il met une flash c'est pour aller chercher, pas pour faire un petit décal. Normalement il y en a un deuxième. Et qui est juste devant moi. Voilà. Voilà pourquoi je prends jamais d'AWP parce que je suis nul à chier dessus. C'est sympa de faire ces petites explications en jouant, même si c'est pas super pratique pour moi parce que j'appuie sur une touche en même temps, donc ça me permet pas de faire tout ce que je veux. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez! Je sais pas si on m'entend bien au niveau du micro. Alors c'est mon pote Custy a du... Drop. For one. Voilà, parce qu'il m'en a droppé une tout à l'heure. Petit... De rien chef. Et sinon bah, je vais encore vous remontrer un petit peu l'inter vite fait. Donc faut toujours faire attention. Donc la ligne que j'ai prise à la WAP d'ici, ça a rien de la prendre à la AK hein. Vous ferez pas grand chose à part si c'est un anti-écho. Là déjà au début faites attention bon, l'avantage c'est que lui, pendant qu'il avance, on va lui prendre la ligne pour pas qu'il se fasse avoir. Donc faire attention à là. Dès qu'il est passé ici, toujours sauter. Hein, parce que sinon, le CT qui a la ligne, la visu accroupie derrière le train, il va vous voir vos pieds.
Là vous pouvez mettre du stuff comme ça. Simplement là la chanson sans élan. Juste attendre de voir ce qui se passe. D'accord. Là on entend bien un AWAP qui tire dans la smoke. Donc ça veut dire qu'il est très loin l'AWAP. Ça veut dire qu'on peut avancer. Là on est bien positionné entre les deux trains, c'est une position qui est sympa. Faut prendre le Z. Là le Z normalement si le mec il veut la prendre lente, il est dans la merde hein, je vous le dis. On va utiliser une grenade en plus. Voilà. Là on est bien positionné. Là c'est une poste sympa qui n'existait pas sur ces sources. Donc là il y a bien un AWAP long up. On va aller chercher. Long up je vous explique c'est ici, d'accord. Ça ça s'appelle long up, d'accord. Donc long up côté terreau, long up côté CT, ok. Donc quand je dis un AWAP long up. Sur le chat, ceux qui posent la question si Get Right a bien été opéré, oui, ça fait un moment d'ailleurs, c'était avant Noël. Oui, ça s'est bien passé, c'était pas forcément une très grosse opération, c'est juste qu'il est. Il stresse beaucoup très facilement. Ok. My bad. Ah. Bon, on va se barrer un peu parce qu'il y a un max 7. C'est pas forcément pratique un max 7 à jouer contre, surtout à courte distance comme ça. Là, il y a un mec au fond, on va le mettre. Je suis un peu dans la situation pourrie là, alors vite je me barre. La smoke que je viens de mettre, faut pas me faire tuer de dos par le mec qui va arriver derrière moi. Il va arriver dans quoi, une quinzaine de secondes là. Ça me permet de poser la bombe et d'aller direct reprendre le jaune. Il sera encore dans sa smoke. On fait attention à lui. On va rester pépère, hein. Ça sert à rien de jouer. On a 10 SP, ça sert à rien de jouer du tout. Vaut mieux rester planqué, normalement il pourra pas l'avoir facilement. C'est du stuff. Motherfucker. Bon allez, on va encore aller inter parce que depuis tout à l'heure inter sans la bombe bien sûr. C'est vrai que depuis tout à l'heure inter c'est assez facile. Toujours faire attention au mec en face. Donc là j'y vais vraiment dangereusement juste avec une AK sans stuff. C'est assez dur généralement. Si le mec qui fait un décal il a l'avantage. Voilà comme mon pote toujours sauter. Bon, laisse-moi décal s'il te plaît, j'ai une AK. Je lui demande décal tout simplement. Voilà, il y a rien. Le pose à check, c'est une pose là-bas. Z. Je te smoke pour toi que tu vas descendre. Go. Là, avec le stuff, avec la cheville que j'ai, je préfère rester dans la smoke, je suis bien positionné. Jouer comme ça, tranquille. Là, je suis bien positionné. Là il m'a vu quand même, hein. Faire attention. Bah, il va sûrement avoir un AWAP ici. Je l'ai loupé sinon j'aurais pu les tuer de dos. Tant pis. Là j'ai mal joué dans l'histoire. J'ai pris une balle pour rien par le mec Z. Là on a de l'argent. Enfin moi j'ai de l'argent, je vais pouvoir drop. Je drop deux AK là. Pour les deux Français. Là on voit qu'il y en a un mec long up, d'accord. Long up c'est au fond.
Y'a sûrement un mec qui attend donc du coup la visu. T'as une smoke, Yamel? Non, non. Merde. Donc là on va faire comme tout à l'heure, on va mettre une petite smoke à la con. Ça va permettre de peut-être faire chier, de no demander l'information et de prendre l'information. Peut-être qu'il y aura un CTA devant moi. Voilà, exactement. Le fait d'avoir mis une smoke en bas en fait, ça a fait chier le CT. Qui était long up et ça l'a fait regarder dans cette direction là. J'ai mal joué du coup, très très mal joué. Ah, c'est un round à gagner facilement, la bombe est bien posée, et juste à reprendre la longue, enfin le long down là, j'aurais dû remonter la pente et prendre tranquillement. Pour mon auto-exec, enfin mon dossier CG, je l'uploaderai plus tard là, c'est vrai que j'ai oublié la dernière fois mais je m'en occuperai. C'est vrai que c'est un truc que j'ai oublié quand j'ai fait dans ma description. Je le ferai pour la prochaine fois. Voilà, là les. Il y a qui a acheté? Là, on va prendre juste un P250, ça sert à rien d'aller acheter trop d'armes. Et on va aller suivre deux AK là, comme ça, il y a sûrement une des deux qui va mourir. L'important c'est pas de prendre les HE, donc on va essayer de rester reculé. Ah, voilà. Dommage. Là, le kill a été fait, on va essayer de passer côté gauche, d'accord? Donc, on met juste une petite flash. Là, je suis un peu dans une situation critique avec mon HP, mais je veux y aller, je suis obligé. Je prends une balle perdue. Ils étaient déjà tous là, ça avait rien allé au final. C'était pas assez rapide. Là on voit qu'Yamel a bien joué le coup parce que la WAP était Z. Par contre là en décalant il a vu qu'il n'y avait plus personne Z. Et donc forcément il y avait deux possibilités, soit que le CT était reparti côté spawn CT, soit qu'il a été déjà avancé avec la smoke. En l'occurrence c'était ça. Il a pas eu de chance sur le coup mais c'était ça. Là depuis tout à l'heure on fait les kills sur le mec qui est toxique, donc Cool Ariton là-bas au fond. Je vais essayer de le choper en rapide. Pour le prendre en rapide, de toute façon, il faut mettre du stuff. Faut garder sa smoke de toute façon pour la sortie. Mais déjà, mettre la première flash comme ça s'il est agressif. En sautant, côté gauche il est. Hop, il y a juste besoin de mettre flash droite. Comme on fait. Et smoke à gauche, à droite, pardon. Et là, on va chercher. Si on prend pas de balles, ça va. Deuxième avec. Là, il y a déjà un CT spawn CT, on l'a entendu. On attend un petit peu. Ça sert à rien de décaler avec les deux HP que j'ai. Il va venir dans ma. J'ai pas de chance là. J'ai pas de chance qu'il a checké. Là on va faire un rush inter tout simplement. J'ai pris une smoke pour pouvoir passer en bas. On va y aller lentement. Ouais c'est pas sûr hein, c'est pas sûr. On va smoker deux fois, c'est encore mieux. Je vais garder mes stuff parce qu'ils vont passer avec du stuff. Et je vais la mettre juste derrière la flash, en profondeur. J'ai pas eu de chance à la taper sur le plafond. Le mieux à faire c'est de s'avancer au maximum.
pas eu de chance. J'aurais pu essayer de choper la AK et faire un kill, mais là c'est vrai que c'est mal barré quand même. Le but de ce genre de GR, c'est de poser, de genre d'écho, c'est de poser la bombe tout simplement. Si on peut essayer de tuer des CT, c'est encore mieux. Mais l'important, c'est qu'on n'a pas acheté grand chose et poser la bombe, ça nous permet de gagner 800$. Donc là, ça va, ça s'est bien passé pour ce que c'était. J'ai pris Julien, j'ai pris cette résolution là tout simplement parce que c'est plus simple pour quand je stream. Parce que quand on stream plutôt dans cette résolution là. Après la netteté, non, parce que j'aurais pu avoir plus net en mettant une haute résolution, mais ça me suffit celle-là. J'ai pris l'habitude. Là j'ai mis une flash en face parce que j'anticipe quand même que le mec va avancer. Force, il va peut-être y aller. Alors, il est toujours au fond. On va aller refaire la même technique. Smoke en bas. Ah merci. On va attendre un petit peu, 2-3 secondes, on va y aller. Voilà, il est pas visible cette fois-ci, il est pas con. Il est pas con. Il est pas con, c'est dommage, j'ai pris un kill pour rien. J'aurais dû mettre ma smoke et avancer, là j'aurais pu faire mal. Là pour que ça aurait vraiment pu marcher, en fait Yamel il aurait dû mettre une flash. C'est-à-dire descendre, mettre sa smoke, descendre ensuite, mettre une flash profonde. Et là, ça aurait vraiment fait chier la WAP. Et là, il aurait dû prendre la ligne. Là, en l'occurrence, ça n'a pas vraiment fait chier. Il a juste mis une smoke, on s'en fout. Généralement, quand on est CT, on attend vraiment le stuff. C'est le stuff qui nous fait bouger. C'est pas la flash. Parce que les smokes, il peut y avoir des smokes pour des fakes. Et quand on a pris l'habitude, après, on en prend plus gaffe. Et généralement, il y a toujours une splash dans l'histoire. C'est pour ça que là, il n'y a pas eu de flash et donc le CT n'est pas trop à regarder. Ça va être très dur là pour lui poser la bombe quand même. Il y a moyen. Dommage. Situation de 1v1, il aurait même pas dû essayer. Dommage. La prochaine LAN DVG de mémoire, c'est celle qui sera à Vienne. Il faut regarder sur Vacarme. Il y a une LAN à Vienne, c'est sûr. Sinon, j'ai pas comme ça d'informations, il faudrait que je demande. Ah, j'ai pas pris de stuff, alors là, sur train, sans stuff, sans smoke, ça va être un peu dur. Hein. Mon pote il est avancé déjà, on va pouvoir aller. Bon, là au final, le mec est toujours très reculé, d'accord. À la WAP, il est côté Z, d'accord. Ils sont quasiment seuls inter. C'est-à-dire que le mec qui est seul inter, c'est celui qui est long up. Donc il est très très loin pour pouvoir prendre un visu. Pour pouvoir me tirer dessus. Donc là, je vais pouvoir mettre une smoke très profonde. Ça va vous permettre d'avancer loin pour pouvoir mettre une autre flash. Très profonde, une si. Merde, je l'ai mal mis, ça. Et là, je suis dans la merde. Mine de rien, j'ai avancé tout lent. Assez de lâcher pour avoir des... Oui, RPK va sûrement jouer demain face à Mouz. Hein. D'ailleurs, ceux qui sont sur le stream, n'oubliez pas que demain, 20... Alors, c'est quelle heure demain? 21h, je crois, de mémoire. Alors, je vais regarder tout ça. Ah, il n'y a plus le temps. Demain c'est à 9h, excusez-moi. Demain à 9h, il y a donc je vais streamer hein, le match contre Mouz DVG. Ah, il a vraiment mal joué parce qu'il a planté vraiment visible, c'est dommage. Je vais streamer le match DVG sur la team le Twitch team Team Verigame. Donc dans tous les cas, vous aurez les informations sur mon Facebook et sur la Facebook de Team Verigame. Donc n'hésitez pas à vous abonner dessus. Hein.
Tu parles de quelle commande, Xpoof? Exactement, comme ça c'est plus simple pour moi à comprendre. Donc là en CT, avec je garde quand même le P2000 même s'il est pourri, d'accord? Sachant que comme j'en ai parlé déjà plusieurs fois, il va y avoir une mise à jour hein, pour le Glock et le P2000, donc pas de problème. Là au niveau des positions apparemment, il y en a déjà deux inter donc je suis pas allé, mais sinon j'ai l'habitude d'aller inter. Va faire super gaffe au mec en face. D'ailleurs il y a des flashs. Ça va être très très dur parce que je suis blanc. Enfin je suis dans la smoke. C'est une décoy, ça sert à rien d'y aller. J'ai dit de rester inter parce que là. Il n'y a rien externe. D'accord. Et là si ça sort par exemple toxique, je peux direct me retourner, mettre une hache au rebond. Là je suis bien positionné pour. Là. Il est mort. Un jaune. Je vais pouvoir mettre la grenade tranquille. Et le deuxième bonus. Là, j'ai tiré là, mais ça passe pas, hein, je vous annonce. Elle est pas aux entraînés à tirer dans ce mur. La bombe au frontero. Il y en a dans les escaliers là. Hop, deux petites balles, on le laisse mourir. Ah, par contre, moi, il m'en a mis deux petites balles dans l'œil. Non, NBK ne bouge pas, Nawak. Ça, c'était juste une rumeur qui avait aucun sens. Non, c'est RPK qui s'arrête. Et la mise à jour prochaine, donc ce sera sur les armes, sur le recoil. J'en ai déjà parlé, vous pouvez la regarder dans. Une vidéo dans l'onglet vidéo moment fort, il y a une question-réponse et j'en parle quand même pas mal dessus. Donc là, ça vient de sortir, ça vient de faire un kill sur le toxique. Faire attention. Le petit MS qui va avec, normal. On va se mettre là tout simplement pour attendre s'il y a un terreau qui s'avance. D'ailleurs, on verra son pied. Ah, il vient de faire un kill par le Z. Le terreau, pardon. Là, il est bien. On est bien. Tu prends quoi, Christy? Je sais pas ce que tu veux. Decoy is out. Sorti Z, non? Deploying decoy. La terre, il est un peu seul, je vais l'aider parce qu'on sait jamais. Il est à droite. Là, il y a une smoke. De suite, j'enchaîne. Par une flash, même si là quand même c'est vraiment moche de mettre une smoke ici pour un terreau. Parce que là je suis bien positionné. Toujours faire attention à la flash, voilà.
Passe devant moi, là. Il y en a un juste là. Oh, je pense pas que j'ai loupé. Ah, je sais pas pourquoi j'ai loupé, j'ai un peu nul là. Oh putain, je suis nul. Ah là, j'ai loupé de bon. Hein. C'est un round qui était gagné d'avance, qu'on perd à cause de moi. J'arrive derrière les terreaux, je mets même pas de stuff pour les surprendre. Mine de rien, le mec inter il est seul donc faut faire quand même attention en lui. J'ai plutôt resté Z. J'ai loupé, mais il y en a 3 derrière quand même. On va mettre du stuff. Même du stuff, même si je suis un peu blanc. On va prendre par derrière. On sera beaucoup mieux positionné, comme ça si ça sort, je pourrais les empêcher. Terreau qui va rentrer Z là. C'est pas déjà fait. Ah, je crois que je l'avais tué. Ah, j'ai un peu nul là. Un peu beaucoup là. Cet HP lui reste. Ça va être dur. Avec un peu de chance, ils vont rusher inter. Je vais me mettre inter. Mais même en étant inter, ça va être très dur. Pote s'en sort bien, on est en 2v2. Faut pas faire le con. Ça pose la bombe, mais on est bien. Ah, j'ai pas de chance quoi. Pote était Z. ESOA, ouais, c'est 5 euros par mois. À peu près, ouais, c'est 7 dollars quoi. Ça permet d'accéder au serveur ESOA, l'anti-cheat, donc il fonctionne bien. Il n'y a pas de cheat dessus quasiment. Hein. Franchement, moi, pour moi, il n'y en a aucun. Tous ceux qui disent qu'il y a des cheats, je sais pas trop. Franchement, je crois pas trop. Ça permet d'avoir accès aux stats, etc. Mais de toute façon, je pense que je ferai une vidéo bientôt dessus. C'est pas ça que je voulais jeter, c'était ma decoy. Et très bien, ça smoke très très bien.
Allez, viens. On a un mid de def. Une petite flash. Bon, on va faire une fake flash alors. Ce qui est dommage en ESOA, c'est que ça parle pas assez, donc du coup on n'a pas beaucoup d'informations. Mauvaise posture avec mes sous. Hein. À chaque fois, je peux pas m'acheter des vraies armes. Je pense que là, je vais prendre pas grand chose. Je joue entre un Mac 7 et Morpher. En étant inter, je pense que ça peut passer. C'est juste que j'ai pas de flash. Ça va être très difficile de le tenir, l'inter sans flash. Je peux rester vraiment un bout portant. Là je crois un kill bidon, le mec il me tue, j'aurais pas dû. Ah c'est dommage. Je passe par B. Qu'est-ce qu'il faut en plein milieu ou quoi? Et bien sûr, il y a des mumbles disponibles aussi, hein, bien sûr, ça fait partie du truc. Il y a des mumbles publics si vous voulez utiliser. Dans tous les cas, j'ai mon mumble, hein, si les gens, s'il y a des gens qui ont besoin de mumble, il y a mon mumble gratuit, hein, que vous pouvez toujours utiliser, ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. C'est slot illimité, il y a des chans, etc. Vous pouvez vous créer des chans temporaires le temps que vous jouiez, il n'y a pas de problème. Mon mumble, c'est mumble.regnam.tv, mais le port, je l'ai plus, le port, faut que je le retrouve. Sont il y en a qui doivent l'avoir. Fuck you motherfucker. Il faudrait qu'il diffuse de suite. Il faudrait qu'il diffuse de suite s'il veut y arriver. Ah, dommage. Voilà, merci pour Nawak, le port c'est ça, et en fait c'est un mumble gratos. Hein. Mumble. Non, ça va être très dur pour lui. Y'a pas de kit le copain. Allez, va diffuse 18. Oh, c'est mort. Et c'est perdu.